Bonjour à toutes et à tous, ici Zerator pour le Zerator fait des trucs. On est un peu en retard, c'est un peu de la merde, mais voilà, ça va bien se passer. Bon, on est lundi, vous savez ce qui se passe le lundi, j'espère que vous êtes chaud. Là, on a un petit jeu de société pour le Tea Time, vous verrez qui va me défier sur ce jeu. En tout cas, eh bien, j'espère qu'on va passer un bon début d'après-midi ensemble. Je vous dis à tout de suite, alors à tout de suite. Bonjour, salut, comment vous allez? Ici Zerator pour le Zerator fait des trucs tous les jours de quelle heure? 16h à 18h, voilà. Là, il est un peu plus que 16h, c'est vrai, du retard et tout. Début d'après-midi, c'est une blague? Bah oui, c'est une blague, 16h, c'est vrai, c'est le début de soirée. Pourquoi j'ai dit début d'après-midi? Aucune idée. En tout cas, ça va, vous avez passé un beau week-end, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Bon, hier soir, bien sûr, je sais ce que vous avez fait. Vous étiez en train de regarder l'Independence Day. Bon, coiffure, hein, c'est toujours pareil, c'est la catastrophe. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end dans votre monde, dans votre petit monde? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, j'ai bu à mort, bac blanc, oui, comme d'hab, le bac blanc, bien sûr. Full matage de replay, 10 heures de train. 10 heures de train, c'est bien, c'est pas mal. Donc 5 et 5, j'imagine, aller-retour. Sinon, eh ben, tant pis, 10 heures de train, ça doit faire... 10 heures de train, ça doit faire facile à un Montpellier-Bordeaux, ça, ou un Montpellier, ou alors un Montpellier-Bruxelles, ça dépend. Enfin bon, vous savez que la France... au sud-ouest, eh bien, a des problèmes avec le train. On ne sait pas ce qui se passe dans cette contrée de la France, mais il y a des vrais soucis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de ban des héros et tout, mais ça, on s'en carre, bien sûr. Hein, vous avez l'habitude maintenant. Puisqu'évidemment, on est lundi, voilà, évidemment. C'est où la Lyon Esport? Alors, j'ai regardé Eclipsia toute la journée car je peux plus marcher. Ah, c'est ballot, ça, c'est... Eh ben, écoute, pas de jambes, pas de sport, tant pis. J'ai joué à Twitch Pokémon tout le week-end, d'accord, très bien. Je profite du dernier week-end de vacances en Nouvelle-Zélande. Ah oui, alors apparemment, c'est les vacances en France. Apparemment, je ne sais pas. Il paraît, je banne des gens, je sais pas quoi bannir. Nazu, je vais leur dire I made, et on va choisir un champion d'une puissance incommensurable. On va choisir genre Nidalee. Si je jouais Nidalee. Pourquoi j'ai du son? Oula, Régie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, la régie, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je m'entends en délai et tout? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah! Ça va mieux là, non? Ça va mieux là, non? Par contre, j'ai le son du client à fond, mais ça, my bad, hein, c'est mon problème. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Oh, c'était la catastrophe. Excusez-moi, j'ai eu un problème de son. Un problème de droit interne. Voilà. Alors, je vais jouer middle. Voilà, alors bien sûr, quand on first pick middle Nidalee, c'est un champion très facile à battre. Pas d'escape au départ, vous connaissez la loi. Alors, j'ai baisé la meuf d'un pote. Très bien. Tu peux faire du Euro Truck, bien sûr. Je suis sûr qu'il rejoue Nidalee car il a adoré mon image. Maman, j'ai raté ma spire. Non, mais j'ai une revanche à faire sur Nidalee. Alors, normalement, Nidalee... Pourquoi j'ai des problèmes de t-shirt comme ça? Alors, ce soir, Sarenz n'est pas là dans la ranked Team Tard. C'est la catastrophe. Donc, il va falloir le remplacer. Je ne sais pas encore qui va le remplacer. Parce qu'on a appris ça, eh bien, tout de go, soon. Donc, voilà. Alors, voyons voir. En tout cas, bon, ce qui est sûr... C'est qu'au niveau du... Hein? Attendez. Blablabla. Très bien. Appuie sur triangle, Nidalee. Très bien. Tsukiyo, non. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Tsukiyo, Arteon, Rurk. J'en ai aucune idée de qui va remplacer. Ça dépend pas que de qui a envie. Ça dépend des dispos, de ce qu'ils font le soir, le lendemain, etc. Donc voilà. Alors, voyons voir... Qu'est-ce qui se passe? Oh, des millions de gens me parlent, il y a des millions d'informations qui arrivent à l'écran et tout. Bon, je suis Zerator sur IRC, bien sûr. Hein. Il y a un modo qui m'a whispé en me disant « Change de pseudo, s'il te plaît. » Genre qui croyait que c'était pas moi, alors que c'était moi. Donc dommage, Zerator nous dit... Attends, Quev nous dit « Je suis dispo, soleil jaune aussi ce soir. » Ah non, mais venez IRL. Zerator, tu trouves comment le sextuplé? Le sextuplé, marrant. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que
Riot nous dit, pour faire la pub pour le sextuplé, oui, faites la méta de demain. Faites la méta de demain, etc. Et donc tu leur dis, ouais, d'accord, machin. Sauf que dès qu'il y a un changement de méta dans leur jeu, eh ben, ils nerfent les héros ou ils changent tout dans le jeu pour que la méta reste la même. C'est-à-dire un top, un mid, un jungler, deux bots. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre ce truc, changer la méta vous-même, machin. Bon, en tout cas, nous avons le plus gros, le plus large pénis d'Europe dans notre game. Donc, largest pénis EU, c'est parfait. Donc, à mon avis, lui, niveau e-pénis, doit être pas mal. En tout cas, en face de moi, j'aurai Akali ou Maître Yi. Que ce soit l'un ou l'autre, en tout cas, je vais sûrement feed et ruiner cette game. Mais ça n'a aucune importance, puisque bien sûr, heureusement, c'est un jeu d'équipe et nous ne sommes pas seuls. Et même si vous perdez votre lane, eh bien, vous pouvez gagner. Donc ça, c'est merveilleux. Alors, à cause de toi, j'ai joué à Janna Sister toute la nuit, je te déteste. Bah non, tu me détestes pas. Pas du tout. Go voir tes MP Facebook. J'en lis quelques-uns, c'est vrai, mais j'ai un peu du mal à suivre le rythme parce que vous êtes de plus en plus à m'envoyer des messages. Donc c'est vrai que c'est très difficile, mais j'essaie de les lire tous quand même. Même si c'est pas évident. Ah, le modo m'a re-whispé sur Skype en me disant non mais c'est vraiment toi, Zerator sur IRC et tout. Très bien. Oh non, j'ai le jeu en 3D. Oh non, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai Nvidia machin. Ah bon, y aide-moi. J'ai Nvidia machin qui me met le jeu en 3D, putain. J'ai vu ça que ça... Oh putain, j'ai vu que ça faisait ça tout à l'heure. Putain, pourquoi ça me fait ça? Attends, mais vas-y, putain, la 3D, là, casse-toi. 3 ah, mais attends, mais si j'ai des lunettes 3D, moi je go, mais le problème c'est que j'en ai pas. Attends, non mais putain. Pff, oh là 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 là. 3D. Comment on fait pour enlever ça là, bordel? Attendez, attendez, attendez. Ah, setup stéréoscopique. Non mais zéro. Enable stéréoscopique. Non. Apply. Ah. Ah voilà. Donc là j'ai enlevé. Mais ça a rien changé. Putain. Je vais devoir fermer la game. Non mais regardez, c'est tout orange, c'est tout dégueu là, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez, c'est tout orange, c'est tout moche. Comment on fait? Pardon? Go jouer en 3D. Non mais go jouer en 3D. Non mais vous allez voir. Tout à l'heure j'ai lancé le jeu, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel, putain et tout. Oh là là. Non mais faut relancer le jeu, je pense, ouais. C'est pas dans les réglages IG. Mais bien sûr que non. Bon attendez, je vais acheter. Putain, il y a un platine avec moi. Le plus grand pénis EU là. Ça déchire. Non non mais attendez attendez. J'arrive dans la game et je vais. Oh putain, génial. Super. Ah ça te fait rire, Amaury, ça. Ok, donc Alt F4. Quitter. Ah ouais, merde, tu l'as dit, ouais. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Alors, reconnexion. Ah, nous avons la corbeille ici. Bonjour. Super. Alors, est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon, voilà. Heureusement, j'ai du talent dans l'informatique et je sais tout faire. On aurait pu jouer comme ça sinon, mais bon, faut pas déconner. Ouais. Non, parce que je vous explique, j'ai mis à jour le PC tout à l'heure et c'était genre l'apocalypse. Genre, il s'est passé plein de trucs. Il a reboot 14 fois. Enfin, c'était la catastrophe. Alors, vas-y, go là, go 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 le chargement. Ça devrait le faire hein, au niveau du timing. Voilà, on y est. On y est, on y va. Donc, ce sont mes contrôles, parce que je suis le dernier homme à avoir joué à League of Legends sur cet ordinateur. En tout cas, bienvenue à vous, bienvenue sur mon live, bienvenue sur l'Eclipsia TV si vous venez de nous rejoindre. No Wooden PC, Wanted a Sig. Qu'est-ce qu'il raconte cet homme? Aucune idée. Tu vas quel jour à la Lyon eSports, Zera? Eh bien, écoutez, normalement, nous devrions y aller le vendredi, arriver le vendredi soir, et Sexy Lady. Par contre, niveau sensibilité, on n'est pas top là. Oh, j'ai pas vu son spell arriver. Cheat. Cheater. Ah d'accord. Donc là, c'est la mort. Ah, c'est la mort. Alors, ça sert à rien de flash out. Je serais... Oui. Des sbires sont apparus. Quoi? Ah. En fait, je vous explique, je voulais aller warder le bleu pour... Alors, attendez. Une seconde, Amaury me demande quelque chose. Ah, mais il y est plus là, non? Si, il y est encore. Donc là, oui, oui, c'est le cas, Amaury, tout à fait. Je vous explique, je voulais aller warder le bleu d'en face pour tenter de le steal. Mais il y avait Akali ici, donc je me suis dit, bah, je vais passer par là. Et là, il y en avait 4,
ce qui est assez bizarre quand même. Enfin non, c'est logique, mais ils ont tous bien réagi en tout cas. Voilà. Bon, je vais pas leur expliquer parce que bien sûr, les gens sont plutôt nuls à ce jeu vidéo, donc ce serait peine perdue d'essayer de leur expliquer. Bon, en tout cas, c'est très bien parti pour qui? Pour Rengar qui a First Blood. Alors Rengar, vous savez, c'est le champion un peu comme Kassadin, c'est-à-dire si vous faites 0-3-0, c'est-à-dire si vous faites que crever, vous êtes fort quand même. Donc si en plus le jeu semble flou. Ah bon? Ah ouais. Ah mais attendez, je vais recommencer. Peut-être que à mon avis. Attends, Amori. Amori. Tac. Est-ce que c'est mieux? Non, pas du tout, c'est de la grosse merde, mais pourquoi? Ah, mais c'est caca. Vous avez raison, c'est trop moche. Hein? Ouais. De mon côté, tout baigne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moche comme ça? Oh merde. Pourquoi c'est moche comme ça? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Alors là, peut-être de ton côté? Non? Vous ne pouvez pas me mettre... C'est très laid. Pas grave, tu changeras après. Perso, c'est nickel. Non, mais c'est pas nickel. En fait, c'est moche. C'est juste que vous croyez que c'est nickel. Parce que voilà, mais. Je crois que ça vient pas de moi. Hein. Amori. Je crois que ça vient pas de moi parce que mon retour à moi est bon. Bon, en tout cas, voilà. Petit souci technique, c'est rien du tout. C'est rien du tout, tout va bien. Alors donc j'ai Nidalo, je joue middle, regarde tes options vidéo. Non mais ça vient pas de... Laissez tomber, vous ne pouvez pas m'aider malheureusement. Alors voilà. Bon alors voilà Rengar, le héros absolument infâme. J'ai ma sensibilité de souris qui est un peu trop basse je pense. Mais bon c'est pas grave, je vais pas la changer en cours de jeu, je vais essayer de m'y habituer, ce sera mieux. Alors voyons voir. Hop. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Non mais mec, ça va bien la comédie. Un ennemi a été tué. Ah d'accord, mec me face. Très bien. Ah il a évité, putain. Il joue très bien, bon, à mon avis il est bien meilleur que moi. Je vais perdre cette lane. Je suis déjà à 0-1 mais bon, difficile à dire si, de voir si j'ai perdu la lane ou pas. En tout cas c'est un cas qu'il a 15 last hit. Donc là j'ai autant de last hit que lui, ce qui veut dire que je suis extrêmement bien dans ma game. Parce que moi vous le savez, en général je suis extrêmement nul en last hit. Donc si un mec est aussi nul que moi, ça veut dire qu'il est pas très fort. Voilà. Vous savez, l'important c'est pas d'être fort, l'important c'est de gagner contre le mec en face de soi. Voilà, ça c'est l'important. Après, bon, le problème c'est que on est dans un MOBA, c'est très punitif, vous pouvez ruiner la game en un move. Putain, mais oh Jarvan, mais stop camper, on la tuera pas. Hein. On la tuera jamais, regardez, il va crever. Oh, elle va die. Oh, nice. Elle est morte, GG. Putain, il me campe, je sais pas pourquoi. Bah, c'est gentil de me camper, mais je pensais pas qu'on la buterait, franchement. Heureusement que je l'ai heal, parce qu'en général moi j'oublie de soigner. Donc ça aurait pu se solder par un échec. GG, il doit être mad, en effet. Vous savez quoi, je vais back puisqu'elle a back. Worse. GG bait. Bon alors la botlane est en train de carus, parfait. Bon en effet, ah non mais la qualité du jeu est infâme pour vous là. Je suis désolé, on sait pas d'où ça vient. Mais on travaille là-dessus, hein, bien sûr, on est très motivé là-dessus. T'as une idée Amaury? Non même pas, hein. C'est tout, hein. C'est un tout. C'est pas là-bas. Regarde, je te montre moi de mon côté. Regarde. Moi c'est bon hein, de mon côté. Non mais je te dis, j'ai regardé déjà, je suis en mode... Là c'est bon. Là c'est bon. Ah! Ouais là c'est nickel, on est d'accord. Ouais. Désolé hein, désolé. Non c'est pareil. C'est pareil. Ouais c'est pareil, à mon avis ça vient de chez toi. Mori. Ouais écoutez, on sait pas d'où ça vient, on essaie de chercher hein, bien sûr. Le confort du viewer avant tout, pas le confort du streamer. Donc voilà. Si je perds ma game mais que vous avez une bonne qualité de live, et bien moi, pour moi c'est tout ce qui compte, vous le savez. Alors bon, le lundi c'est League of Legends, le lundi c'est Ranked Team Tard. Voilà, on espère que vous serez là au rendez-vous avec ce système absolument incroyable que nous avons mis en place, unique en France et partout en Europe. C'est le mec complètement taré. Non, c'est pas vrai, en plus, il y a les LCS. Ah non, mais les LCS, ils font même pas ça. Ils font même pas ce qu'on fait, parce qu'ils mettent même pas le POV par joueur. Ah ouais, donc en fait, unique au monde. Unique au monde. Donc non, je ne regarde pas mon propre stream en 240p, hein. Je regarde juste mon retour. Très compliqué à gérer tout cela. Tiens, die, die. Voilà, ça c'est du POC comme on l'aime. Du POC comme on l'aime. Ok. Tiens. Alors Missing Arrow. Enfin Harry. Allez là. Meurs. Oh ça fait mal. Ça fait mal. Alors là elle ne peut plus last hit. Elle est obligée de back.
Sinon elle die en fait. Voilà. Jump. Jump. Et voilà, et là c'est la Joga Bonito, bien sûr, hein. La folie des grandeurs, je lastique tous les mobs. Et donc l'occasion pour nous de faire un décal sur la bottom lane afin d'aller essayer de tuer des ennemis. Alors essayons. Fatal Spear on you. Essayons. Voyons voir. Voilà. Et bien voilà, le talent. Alors maintenant nous allons revenir, parce que Akali va revenir. Donc là elle doit être bien deg, très très deg même. Donc on y va, on y retourne. Voilà, on y va, hop. Donc ça y est, c'est fait. Très bien. Zerator TV, la présence sur la mid lane. Un allié a été tué, zut. Un allié a été tué, c'est Panthéon. Très très bon héros Panthéon, on en a beaucoup parlé pendant ces LCS, hein, bien sûr. Oh Akali, zut, j'avais pas dit le miss. Alors my bad évidemment. Alors doublé, on va essayer de prendre des HP sur la... Ah zut, doublé d'Akali. Ça c'est pas bon du tout parce que Akali, très très bon héros bien sûr, hein, qui peut défoncer vos AD carry. Catastrophe totale. Voilà. Ouais, un ennemi a été tué, bon. Alors, cassons-nous. Alors ça a été wardé, vous avez vu que la river botlane a été wardée. Du coup je ne peux pas aller décaler pour tenter un kill sur Akalo, enfin Akali, ou quelque chose comme ça. I'm fine top. Voilà, à mon avis il faudrait babysit la botlane pour pouvoir essayer de snowball cet avantage. Yeah. Je suis fine middle. Donc top il a dit je suis fine, mais il a dit mais Nidalee est fine aussi. Alors je pense qu'il va arriver pour tenter de me kill. Voilà. Alors fuyons. Courage, fuyons. Alors est-ce qu'il n'y a pas Akali dans les parades? Je vais aller en bas, vous savez quoi. Mais en fait c'est wardé bot. Go bot, it's warded. So go now. Voilà, là c'est wardé. Ah merde. Bon elle va tenter de me stun je pense. Voilà, elle m'a stun malgré tout. Donc c'est bien, ça les fait ralentir. Hop. Raté, dommage. Ah y'a Akali qui arrive. On t'entend des trucs. Hop. Ah je l'ai touché, c'est bien. Le E a raté de son côté. Oh là, il y avait un piège. Oh là. Putain, j'ai flash, j'ai barrière, j'ai tout claqué malheureusement. Ah j'avais pas vu ce piège. Là c'est un peu dommage parce que j'ai donc ruiné l'e-sport en prenant ce trap comme un pénis. Sorry, I took the trap, my bad. Donc évidemment il faut reconnaître ses erreurs. Alors vous savez quoi, je ne vais rien acheter. T'as pas flash jambon. Et je ne pouvais pas flash. Non je ne pouvais pas flash. Je ne pouvais pas flash, c'est pour ça que je n'ai pas flash. Parce que j'ai été stun par Leona, après j'ai été stun par le Q. Je ne pouvais pas flash, j'ai floudé mon flash et ma barrière en fait. J'ai floudé les deux et je n'ai pas pu flash évidemment, hein. Pensez-vous que je n'ai pas oublié de flasher. Elle a eu le dragon, nice. Elle a eu le dragon avec la Rocket Jinx. Donc là, un coup de chance ou un fail smite. Ou les deux, évidemment. Akali va revenir, on va tenter de la buter. Ah, on pourra pas malheureusement. Un ennemi a été tué. Ah, peut-être. Aïe. Voilà. Hop. Voilà, donc là on va la buter hein, ici. Alors je sais pas pourquoi elle a barrière, vous voyez. C'était un peu bête parce qu'elle était sûre de crever, donc assez bizarre. Lui aussi va peut-être crever d'ailleurs. Ouais, il va crever. Voilà, peut-être qu'il va flash out. Ce serait bien qu'il flash out. Voilà. Alors c'est fait, doublé. Donc on a eu le Drake, donc Worse finalement. On pourrait l'écrire. Alors Worse it. Mais on va pas le faire parce que là. Un fail smite est un coup de chance. Oui et non. Disons qu'elle a parié sur le coup qu'il allait fail son smite et c'est fait. Donc joli move de la part de notre équipe. Hop. Tout ça, ça part de mon kill. Hein. C'est le mec. I feel AF King. Je me sens AFK. Feeling kills right and left. Oh, il exagère. Il dit qu'il joue mal, qu'il donne des kills aux autres. C'est pas bien. Oh là. D'accord. Oh là, j'ai très très mal joué. Je pensais pas qu'elle allait me go comme ça, je suis un peu bête. Bon, vous voyez, j'ai encore une fois assez mal joué. Alors voilà, bon, en tout cas, on a acheté nos deux premiers items du Rabadon. Et c'est pour ça qu'Akali, même si on est bien sur notre lane, elle peut vous OS. Hein. Je reste Nidalee malgré tout, elle est à 5-2. 5-2 évidemment, je t'ai fait défoncer. Non, mais c'est normal, c'est Akali, hein. Y a pas de problème avec ça. La logique de la chose, bon, lui il va die, c'est bien. Et voilà, le problème d'Akali, c'est qu'elle va quand même snowball, même si je l'ai massacré niveau last hit et niveau laning. Carebot. Akali coming. Alors, hop. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Akali est en train d'arriver bot. Peut-être par là, qui sait. Ce serait bizarre, mais bon.
pas étonnant au vu de la direction qu'elle a pris pour aller. Ah, Rengar est en train d'arriver également. Voilà, nous avons raté tous les last hits, c'est parfait. C'est totalement parfait. Je savais pas qu'on pouvait mourir dans ce jeu. Avec Nidalee, on peut mourir, j'ai découvert ça récemment. C'est vrai que ça m'a surpris aussi, hein. Je suis d'accord avec vous. Alors qu'est-ce qu'ils font tous en bas là? C'est un peu chiant. Polybot! Alors là, elle va essayer de me kill. Voilà. Donc elle n'y arrivera pas, fort heureusement. Votre équipe a détruit une tourelle. Parce que j'ai sauté. Sinon, elle aurait pu me kill quand même, hein. C'est ça qui est fou. C'est la puissance d'Akali en fait. Donc là, faut que je fasse très attention à moi. Hein. Je peux vraiment me sauter dessus et me défonce. Total. Me défonce total. Bon, là, je l'ai pas touché. J'ai assez mal lancé ma spire, honnêtement. Alors, plaçons un piège ici. Un allié a été tué. Bon, normalement, on le place plus à l'entrée des bushs de leur côté. Parce que là, il y a moins de chances qu'ils le prennent. Mais... a été tué. Un ennemi a été tué. Ah, l'occasion pour moi, peut-être, de faire des kills sur la botlane. Voilà. Bonjour. Là, vous voyez, je me montre. Là, je me montre plus. Là, je fais ça. Voilà. Comme ça, ça baisse les HP. Hop, j'évite le truc. Je me remets en forme de chat. Je saute. Et là, doublé. Alors pas encore, ça se voit pas, mais je vais doubler. C'est prévu. Vous avez tué l'ennemi. Voilà. Doublé, super. Ah oui, c'est bien ça, j'aime bien la lanterne. Enfin, je peux pas la prendre, zut. Alors là, il y a peut-être Akali qui va arriver. Donc à l'entrée des bushs, plaçons ça. Plaçons ça. Voilà. Très bien. Peut-être qu'on va rester là pour défendre. Parce que là, ils doivent s'imaginer que j'ai back, sauf s'il y a une ward. Mais bon, ça, j'en sais rien. Je pense que je vais rester là. Je pense que je vais rester là. C'est Jarvan qui a pris le premier kill. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Y a pas de problème. Votre pas de problème. Par contre, une tourelle. Ouais, c'est bon. Est-ce que Kathleen va avancer? Parce qu'elle ne sait pas que je suis là, hein, je pense. Est-ce qu'elle sait? Bon, allez, tant pis. Cassons-nous. Donc tout ça pour rien. Mais c'est pas grave. On a récupéré un rouge et un bleu. On a fait deux kills. Ah oui, là, on pourrait aller là-bas par contre. Ah, je peux peut-être la voir. Je peux peut-être la voir. Voilà. Ah voilà. Donc là évidemment. Oh bien joué putain. Oh là là quel génie. Ah zut. Bon là tuer c'est le principal. Oh là là quel génie quoi. Quel génie le mec. Ce grab de ouf. Nice grab. Non vraiment quel nice grab quoi. Bon. Alors vous voyez le piège encore une fois. Ton mid c'est ward. Ouais, 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 ouais. Encore une fois, mettons un piège ici. Normalement, il a rentré du bush. Oh god. Oh les dégâts. Alors que j'ai même pas Rabadon. Alors là, ça fait mal quand même. Bon, normalement, on le tuera pas, mais on sait jamais. On sait jamais que le mec fasse un move genre. Le move que j'appelle de la panique. Vous savez, c'est le genre de move où vous essayez d'éviter un javelot et en fait, vous le prenez en essayant de l'esquiver. Le truc infâme quoi. Alors je vais Rabadon et bâton du vide, hein, c'est ça mon build avec Nidalee maintenant quasiment tout le temps. Bien joué. Bon je prends, voilà, je fais juste un coup dessus pour avoir l'assist. Et ensuite, merde. Bon bah meurt. Non mais please, die. Vous avez tué voilà. Un ennemi. Voilà, vous voyez, il aurait pas dû mourir de ça normalement. Ça s'évite assez facilement ça. Là pour le coup c'est pas moi qui ai bien joué, c'est Leona qui a mal joué, qui l'a pris. Alors qu'elle aurait pas dû quoi. Je prends le piège. I take the trap. Là on va se mettre un petit piège de retraite. Alors c'est un peu con de les placer au milieu comme ça. Parce que préférez quand même les pièges sur les côtés. Les gens passent plus sur les côtés avec le pathfinding du jeu. Faut jamais les mettre sur, au milieu de la route. Personne ne le prendra ou alors un mec nul. Mais donc voilà c'est pas worse. Alors la mort. Oh non dur. C'est bon elle me sautera pas dessus. Si elle me sautera peut-être dessus quand même. Elle va sortir par là ouais c'était évident. Ah la flash out je pense. Oh god. Oh god. Vite soignons Jarvan. Merde. Hop. Oh je l'ai eu. Carnage. Je l'ai eu. Alors essayons d'avoir Kathleen maintenant. Voyons voir. 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 Un ennemi a été tué. Et la mort. Oh. Ah j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Putain les pauvres. Ah je sais pas si y a encore Kathleen, je pense qu'elle a back. Troll Nidalee OP. Non j'avoue j'ai de la luck hein. Franchement. Là j'ai de la chance. Notre équipe a détruit une tourelle. Après comme d'habitude hein, c'est de la demi-chance hein. Nidalee c'est toujours pareil. Si vous ne les tentez jamais, vous ne les placerez jamais. C'est toujours ce fameux. Allez bah viens saute. Oh je l'ai raté alors là par contre. Zéro. Zéro zéro. Cassons-nous.
Attends, en tout cas, ce Rengar n'est pas très tanky. Vous voyez là, il est sur le côté, mon piège, afin que quelqu'un puisse le prendre. C'est ça, prends la sauce. Vas-y, vas-y, viens. Viens. Oh, oh god, mais ce Rengar. Ah là, il y a Akali, donc là, fini de rigoler. Fini de rigoler, cassons-nous. Ah, il y a le bleu peut-être. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, ah, je pensais qu'elle le prendrait là, vous voyez. Hop, hop. Ah, je l'ai eu, c'est bien. Non, je l'ai pas eu en fait. My bad. Oh, vous voyez le OS. Voilà, ça c'est Akali. Alors certes, elle meurt derrière, mais bon, elle m'a OS. C'est le but du héros, hein, je parle, c'est l'assassin. Le mec OS un type, après il meurt. Et voilà. Voilà, mort. Bon, en tout cas, on les massacre bien comme il faut. On les massacre. Doublé. On les massacre. C'est bien. Doublé. Bon, allez, go. A été tué. Je vais aller défendre la top lane. Exécuté. Exécuté. Qui s'est exécuté? Panthéon s'est exécuté. Votre équipe a détruit une tourelle. Ils ont pris la tower. Bon, en tout cas, ce qui est bien. Votre tourelle a ce qui est bien, c'est que là. Oh, je peux le kill, hein. Vous savez quoi? Je peux le kill en plus, hein. Oh merde! Vous avez tué un ennemi. Oh putain. Bon, j'ai flash. Évidemment, donc gros kill. Gros kill greedy pour moi. J'ai pris le flash, mais bon. C'est pas grave. Fucking yi. Fucking yi. D'accord. Alors allons-y, hein. Bon, là, on devrait one shot la vague quand même. Voilà. Pas déconner. Oh non, raté. Hop. Voilà. Partons. Repartez dans l'ombre. Alors allons mettre un trap près du nage. Donc vous voyez, comme je vous disais encore une fois, les pièges, vous les mettez. Vous voyez là, je le mets le long du truc, parce qu'en général les gens vont longer le mur comme ça pour y aller. Ils vont pas passer au milieu comme ça. Donc ne placez pas vos pièges sur le milieu des lanes. Évidemment. Bonjour. Interruption. Rengar. Rengar. Oh merde. Eh, laissez-moi un bout. Oh bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Raté, putain, je pensais qu'il se décalerait. Évidemment, je l'ai pas fait en ligne droite. Donc là, on va mettre un piège à l'entrée ici. Oh. Ah. Bon, là, c'est de la chance pour le coup. C'est de la chance, encore une fois. Allons-y. Voilà. Ce qui est rigolo quand même, c'est que je joue contre Akali et je l'ai massacré. Enfin, je l'ai pas massacré, mais dans la game, on l'a massacré. Et il doit être vraiment au fond, parce que quand vous avez un héros comme ça et que vous perdez contre un héros comme Nida, c'est vraiment horrible, quoi. Votre tourelle a été détruite. Oh merde. Wow, je me casse. C'est bon, c'est trash. Bon. Attention! Oh non, mais Rengar, please! Stop! Ouais, d'accord, bon. Je voulais pas la finir, mais je me suis dit. Là, je me suis dit, y'a de quoi faire. Mourez! Oh mon dieu, Akali, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais ils font exprès, peut-être. Peut-être qu'ils font exprès pour faire genre. Oh god! C'est pas passé loin. Là, vous voyez encore une fois, hop sur le côté. Pour ne pas que les creeps le prennent également. Moi, j'espère bien qu'elle l'a pas pris celle-là. Quand même. Alors. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la grosse merde. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Non, je pense. Non, mais je voulais aider Jarvan et bon, c'est pas grave. Tant pis. Finissons les bots avec Home Guard et commençons le Zonio. Commençons le Zonio. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Je me suis. Alors ensuite, vous savez ce qu'on va faire dans la deuxième heure? On va faire, on va jouer à VVVVVV. VVVVVV, voilà, c'est ça. Can we stop farm lanes and just go in, please? Ok. Ok. Ils veulent qu'on finisse. Très bien. Très bien. J'y vais! À toute berzingue avec mon héros. Depuis quand on aide les gens en solo queue? Bah ouais, depuis toujours, si tu veux gagner. Ah, Thresh, attention. Bon, il va mourir, Thresh, hein. Normalement, il meurt, hein. Mais elle est ouf de faire sa bulle ici comme ça, parce que bon, ça pourrait lui jeter des trucs. Oh putain, oh putain. Oh, j'ai pris le piège, je suis un anus. Bon, il a un peu mal fait, pardon, son ulti.
Ah oh, par contre la Léona worst move lui quoi. Parce que là elle va mourir. Oh y'a des loups, merde. Putain je les voyais pas, je me disais c'est bon. C'est safe. Moi je me fais les loups derrière. Bon je vais me les faire voler. Voilà, dommage. Invincible. Alors plaçons la fameuse ward qui sert à mettre les super sbires. Là on va peut-être pouvoir monter. Non pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Interruption. Ah, soignons lui. Oh mais mec, t'as fait quoi là? Pas please. Ah. Ah. Je l'ai touché. Non, je l'ai peut-être pas touché en fait. Vous avez vu à la flash pour éviter ma spear, c'est quand même marrant. On a cru que je l'avais tué à cause du... Ah. Ah. Oh non, mais pas moi, stop. Stop, focus. Ah. C'est bon, ça c'est bon. Nickel. Alors attendez. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent? Oui. Oh, d'accord. Bon. Ah oui, très intéressant. Alors le golem bleu. Un concept intéressant qui permet de vous donner des statistiques en plus. Très très intéressant hein, comme concept. Moi j'aime beaucoup bien sûr. Hein. En tant que carry up. Bien sûr, on aime beaucoup ce genre de conneries, nous. Les carrières. Alors encore une fois, piège ici. Et là, au revoir. Bonjour. Donc la puissance de Rengar. Oh, oh là là. Oh, je l'ai touché Akali. Ah. Elle va dash normalement. Ah, ça veut dire. C'est les assassins, c'est normal. Il s'est coincé tout seul parce que l'ulti, vous l'avez vu. Mais c'était rigolo. Alors donc, bon, vous inquiétez pas, on va la gagner, hein. C'est juste que bien sûr les assassins one shot et je suis le plus squishy de l'équipe, j'ai certes beaucoup d'AP, j'ai beaucoup de dégâts, c'est très excitant. Mais je meurs également très rapidement puisque 30 de magic armor et 90 d'armure, donc 0 en fait. 0 rien du tout puisque regardez, par exemple, là, bon, Hextech, voyons voir, pas de bâton du vide, c'est bien. Donc pas encore de true damage, mais bientôt, bientôt pour cet homme. Bientôt des damages purs dans ma gueule. Donc là, vu qu'on a de quoi rien acheter, on va acheter eh bien, les deux élixirs pour aller finir la game. Normalement ça devrait être la fin. Donc on prend des HP et de la paix. Et on y va. Allons-y. Il y a le dragon au pire. Drake up au pire. Allez courage. Ah mais là ils vont mourir tous. Ah quoique. Ah ils ont tué Akali pas mal. J'arrive, tiens le coup Jean-Michel, Jarvan. Bonjour! Un allié a été tué. J'ai soigné un creep, je crois. Oh putain, j'ai fait de la merde! Oh, j'ai trop fait de la merde! Meurs! Et oui, il vaut mieux faire un javelot au corps à corps. Alors, c'est pas moi qui ai eu le kill, mais on s'en balance. L'important, c'est de gagner la partie. Et la partie est gagnée, donc on est content. C'est bien! Et oui, parce que gagner, c'est cool. Perdre, c'est moins cool. Mais c'est pas grave. Parfois, c'est quand même cool de perdre si c'est une belle game. Nidali, yes. Bah je finis, je fais quoi là? Mec je finis Rien que le canal plaît-il Attention à Akali quand même. Aïe aïe aïe, bon les midlife c'est bien. Oh putain. Je l'ai pas lancé tiens, je voulais la lancer, je l'ai pas lancé. Bravo à Mori. Il a réussi à faire un truc. Ne vous inquiétez pas, aucun rapport avec le live. J'ai peur que Akali mette une ward et qu'elle me OS en fait. Ah elle est là. Oh raté. Bon je vais aller faire le dragon tout seul. Ils vont top là les mecs. Ouais ils vont top. Non mais ça sert à rien de faire le Drake. Je vais push. Je vais push pendant que mes mates sont top. Mates sont top. Un ennemi a été tué. Voilà bon il meurt par contre. Dommage. What the fuck. Un allié a été tué. Quand clique. Oh merde. Oh bah là je suis mort. Là je suis quasiment sûr d'être mort. Ah courage. C'est bon elle a plus la portée de dash, elle est déçue. A tué le dragon. Jinx a tué le dragon, c'est bien. En tout cas, je retiens Akali dans sa base. Oh, je l'ai pas touché, déçu. Très déçu, très déçu. Voilà. Et je les retiens dans leur base. Je retiens Akali ici en fait. Oh là là. Bon, elle n'a que 3 dash, hein, faut pas déconner. Voilà. Bon, Akali pour dépush, c'est pas ouf. Hein, quand vous avez pas de stuff. Bonjour. Dès qu'elle s'approche un peu, je saute. Et ils ne pourront rien faire sans Akali de toute façon. Hein. En fait, mon équipe peut plus faire sans moi que eux votre sans Akali. A détruit une tourelle. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais.
Mais voilà. Vas-y, dash sur les creeps, essaie de me rejoindre. Tu veux pas? Non, elle veut pas. Bon bah je me casse. En fait je me casse pas. Merde. Votre équipe a détruit une tourelle. Ouais la mort. Alors, est-ce que Akali va venir check ce truc? Votre équipe a détruit un inhibiteur. Est-ce que je vais die comme un imbécile? Là normalement il n'y a plus Akali, elle a dû revenir def, voyant que je back. Donc là. Ou alors elle est dans les bushs et elle va me kill. Non c'est bon, elle est revenue. Voilà. Oh merde, bon, je suis pas très fort en tuage de lane. Un allié a été tué. Là mon équipe va m'insulter. Environ maintenant, je pense. 3, 2, 1 maintenant. Ah ! Merde ! C'est bon, Jarvan est vivant. Doublé. C'est bon, Jarvan est vivant. Donc c'est gagné. Ace. C'est bien, on les a ace, c'est parfait. Reporte Kate. Non mais reporte que dalle. Tout le monde a droit de rater sa game. Attention hein. Bon ils sont ace. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Yeah, report me. C'est bien. C'est bien. Votre équipe a détruit une. Donc là on peut faire ça, on peut se rouler. Se rouler de leur malheur. Ils vont rire de leur malheur. Ah Léona arrive. Meurs Léona. Votre équipe a détruit une. Si on les laissait fight contre les creeps, je fais genre je suis safe. Voilà. Ah merde, je pensais qu'elle allait se décale. Tant pis, pas de décalage. Voilà, normalement c'est la merde pour eux. Hein. Allez, courons. Donc là, ils veulent aller au Nashor. Moi, je vais aller au bleu. Tranquillement. Allons au bleu. Meurs les sbires. Meurs les sbires. 4K, need buy. Moi, je suis à 2K6. Bon, je peux faire le Zonio. Éventuellement. Évidemment, comme d'hab, je ne l'ai pas touché. Voilà. 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 Parfait. Alors mettons une ward ici. Mettons un jalon de vision. Bonjour. Oh dur. Oh méga dur. Voilà. Ça c'est dur quand même. Voilà. Est-ce que je peux la buter? Sûrement pas. Sûrement pas mais peut-être. Gridons. Gridons un peu. Vous ne pouvez pas. Faisons du gridon. Bon là je bute vision donc c'est la merde. Alors, j'ai fait au hasard. Et là évidemment si je l'avais buté ça aurait été... De la chance, bien sûr. 100% luck. Ah, elle est là en train de back. Bon, c'est pas grave, je win avec les creeps. Voilà, je push. J'avance avec les creeps. Donc ça aurait été vraiment un match Akali contre Nida pendant toute la game. Enfin, en tout cas pour moi. Enfin, pour l'équipe, non. Pas trop vu ce qui s'est passé dans la partie, mais bon. Toutes les lanes ont gagné, donc voilà. Je n'ai pas carry cette game. Meurs. Oh non. Pitié. Non mais les deux assassins, vous allez vous calmer là. Un ennemi a été tué. Nice, bien joué. Doublé. Voilà, les assassins ont fail. C'est donc la victoire. Et donc le GG. 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 Victoire. Victoire. On a gagné. Une game qui a été gagnée à partir de 20 minutes. Hein. Après en solo queue, c'est quand même rare les retournements de situation. Ça arrive. Mais c'est quand même rare, c'est quand même un peu plus rare. Donc bon, Akali cela dit a bien joué. Hein. Honnêtement, elle a mieux joué que moi, je pense, sur cette game. Au niveau dégâts, j'ai été le plus élevé, mais je pense pas que c'est moi qui ai le plus servi dans les teamfights. Honnêtement, je pense que Jarvan et Jinx ont bien carry cette game. Panthéon moyen, Thresh de bon grab, mais j'ai pas trop vu Thresh. Donc je pense plutôt Jinx et Jarvan au niveau du carrying. Et moi, bah, j'ai gagné ma lane, mais sans plus. Voilà, ça a fait... Si, j'ai fait des décals bot lane. Décals bot lane qui ont été intéressants. Plutôt intéressant. Donc, hop. Hop. Alors. Une seconde. Une game viewer, please. Évidemment. Évidemment, on fait toujours une game viewer après la première game. Vous le savez. Vous le savez. Vous en avez maintenant l'habitude. Bon, voilà. Il n'y a pas de... pas de régie. Donc je vais rester là pour l'instant. Je suis bien. Alors, je ne sais pas qui va jouer contre moi à Jenga. C'est une surprise. Voilà, on va voir après. Je sais même pas quel est le jeu. Je sais pas pourquoi la qualité est aussi merdique. C'est très bizarre. Vous voyez là, non, là vous arrivez même pas à lire ça. C'est quand même trop bizarre. Alors que moi c'est tout clean chez moi. Mais c'est peut-être là-bas qu'il y a un problème. Je sais pas. Enfin bon, en tout cas. Bon, vous savez quoi, je vais y aller moi-même. Allez, salut. À dans 4 minutes. Ah, il est là. À dans 4 minutes. Donc, à tout de suite pour le défi Jenga du Tea Time du lundi.
tout de suite.